Salutations, bande de geeks, et bienvenue sur la chaîne gaming officielle des super-héros. Nouvelle vidéo Marvel Snap aujourd'hui, et on va se poser une question, à savoir quels sont les bons decks à jouer après la dernière OTA. Nous avons eu une modification sur la carte d'Aliot, une autre sur la carte de Forge, et je vais vous proposer ici une série de deux vidéos, avec un deck Cerebro 3 pour Aliot et un deck Bounce pour Forge. On commence avec ce premier deck, qui est un deck bien sûr dans lequel on va retrouver plein de combos du moment. Alors je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur Elsa Bloodstone, parce que là on va retrouver pas mal de combos de base autour de cette carte. Je vous l'ai dit avec Angela, Kitty Pryde et Mysterio. Kitty Pryde va bien sûr bien fonctionner avec Angela et la faire monter. On retrouve Jeff dans le deck qui va avoir également la même fonctionnalité. Il peut monter Angela et se décaler. Le but du jeu ici avec Elsa, c'est de venir clôturer vos derniers emplacements au dernier tour avec Mysterio. Si vous réussissez cet exploit, eh bien vous pourrez récupérer un bonus non négligeable pour le dernier tour. Forge va donc trouver une belle place dans ce deck. L'idée, c'est qu'il vienne buffer des cartes et que vous essayez de le récupérer avec Beast pour en buffer de nouveau. Vu que maintenant, c'est seulement plus 2 le bonus ici de puissance qu'il va octroyer à la carte que vous allez jouer ensuite, eh bien c'est vraiment très intéressant de le greffer à Beast pour pouvoir le rejouer tardivement et faire un combo explosif avec Hitmonkey. Plus vous jouez de cartes, plus Hitmonkey est content. L'idée, c'est de faire un tour 6 qui pète. Donc si vous réussissez avec Beast à rendre gratuit Kitty Pryde et Forge, c'est pas mal. Si vous pouvez baisser le coût d'une autre carte, c'est encore mieux. Nous avons Bishop, un peu comme Hitmonkey. Plus vous jouez de cartes, plus il est content. Et bien sûr ici, nous avons Serra. C'est une base. Dans les tout premiers deck bans qu'on a réalisés dans Marvel Snap, c'est Serra qui sortait du lot systématiquement parce que cette carte va vous permettre de réduire l'ensemble du coût en énergie de vos cartes. Et là, vous avez bien sûr les combos qui vont se développer davantage si vous jouez Serra parce que toutes vos cartes vont vraiment pas coûter cher pour le dernier tour. C'est vraiment le but du jeu, c'est d'aller sur ce tour 6 et que ça pète. Nous avons donc ici une carte obligatoire, c'est celle de Mobius. Alors là, pour le coup, lui, il va venir protéger votre play avec Serra. Malheureusement, Mobius est une carte qui est vraiment énormément jouée en ce moment, donc vous risquez d'en prendre en retour. A vous de voir si vous voulez embarquer dans ce deck, de quoi maîtriser le play continu de la carte d'en face. Si vous avez un Mobius gênant en face, peut-être qu'il faudra embarquer une Enchantress. Avec Serra dans le deck, oui, ça réduit votre combo sur le dernier tour, mais ça vous emmène un petit peu de contrôle potentiellement pour vous amuser à casser des plaies sur d'autres types de cartes. Vous avez ensuite une autre carte particulièrement importante, c'est celle de Luke Cage. Luke Cage, là encore, va vous permettre de contrer la réduction de puissance que va pouvoir faire votre adversaire. Shadow King est très présent en ce moment dans la méta, et nous avons aussi des cartes qui reviennent en ce moment avec Man-Thing, hein. Le deck Junk est de plus en plus joué, donc Asmat, on le retrouve pas mal, vous avez aussi beaucoup de zones qui peuvent être gênantes, donc là pour le coup, Mobius et Luke Cage vont protéger vos cartes, mais aussi vous permettre d'attaquer. C'est-à-dire que Mobius va contrer un certain nombre de plays en face et vous laisser, vous, tranquille, utiliser votre énergie. Donc ça peut être très intéressant si vous croisez un deck Mister Négative, vous allez l'annuler avec Mobius. De la même façon, un deck qui va jouer justement sur cette réduction de puissance, vous pouvez littéralement le contrer avec Luke Cage et aussi protéger vos cartes potentiellement si vous avez des zones à réduction de puissance. Donc les deux sont vraiment hyper efficace dans le deck. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay. L'Abyssal, ça biche chez toi? Fight. Moi, je suis pas tout à fait... Je sais pas. Ce que je comprends, qu'on ait besoin de cartes comme celle de Mobius pour le coup, parce que c'est vrai que Serra, Zabou et tous les autres, un truc qui peut aller contrer un petit peu la réduction d'énergie, ouais. Mais là, ça annule certains decks, quoi. Ce qui est un peu duo. Donc là, on va pouvoir booster Kitty Pryde, récupérer ce petit monde avec Beast et les rebooster derrière. On y va en tranquillité. Bifrost.
Encore en maintenance, My Hero. Ok, c'est Shuri et Sauron. C'est dommage, j'ai pas emmené le contre. Ouais, Mobius, maintenant, c'est ça. C'est une carte que tu dois mettre dans le deck, même si t'apportes rien. Mais c'est un peu comme Shang-Chi, tu vois. C'est une carte qui est... Ou Jeff. C'est des cartes qui sont tellement bonnes qu'en fait, tu les mets dans le deck. Ça te permet de contrer des trucs. J'aurais peut-être dû laisser Mobius au mid, mais je voulais garder la réduction. Donc, je me suis dit, je vais le séparer. Donc il a pas looté Shuri, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc faut qu'on garde un bon coup de pression à droite. Et là on va s'amuser. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en énergie ça va nous coûter, ce qui est pas cher. Donc à partir de là, il faut absolument qu'on cale ça quelque part. Je pense que je vais juste jouer une petite carte ici, non? Il faut que j'arrose assez fort quand même. Hein. Parce que je suis à 3, 10. Avec ça, je fais le cut. Avec ça, je mets un petit coup de pression. Vas-y. Deux cartes à gauche. Ah, dur. J'aurais dû jouer plus fort à droite, mais... Ouais, j'aurais dû jouer plus fort à droite. Il avait du très lourd. J'ai overplay au mid. J'aurais dû mettre le buff de forge à droite en fait. Je sais pas pourquoi, je suis allé beaucoup trop loin. 19-21, vous voyez. Donc si j'avais forge sur Lookedge, on avait gagné. Donc ça se joue à pas grand chose, hein, j'ai hésité. Du coup, on va jouer un petit peu bounce. Hier, on a eu un buff sur... Enfin, un buff. C'est pas vraiment un buff, mais sur la carte de forge, vu que maintenant il coûte moins cher, il est plus facile à intégrer dans le deck avec Hitmonkey. Et je me suis dit, tiens, on va s'amuser. Hâte de la version mobile. Ouais. S'ils n'en font pas, je vais pleurer. Bah, ils l'ont mis, par contre, s'ils le font pas, c'est des bâtards, tu vois. Vu que les zones vont changer de place, je vais en mettre un peu des deux côtés. Donc là, Ravonna, je viens de le contrer avec Mobius. D'accord? Donc pour l'instant, il me fait pas peur. Il me fait pas très peur. J'ai très envie de jouer Forge avec Mysterio. On va aller buffer la Kitoche.
Wong. Ravonna. Ok, donc toutes les cartes qu'il va mettre sur Machine World, il va me les donner. Mauvaise pioche pour lui. Bonne pioche pour nous. Nous, on va proc Serra, la base. J'ai de l'eau, moi. Non, j'ai rien à boire. C'est terrible ce qui m'arrive. Mystique, double Wong. Ah, ça peut faire très mal. Est-ce que c'est Apocalypse et Gambit qu'on va prendre dans la tronche? Dans la chautron? Mais merci en tout cas pour cette mystique que je vais m'empresser de dupliquer. Du coup, lui m'a envoyé quoi? Elle copie l'effet de Wong. Hein. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça, mais... Je prends. Hein. Je sais pas ce que je vais piocher pour le dernier tour. J'ai pas pioché Elsa. Mais bon, vu qu'on a la petite dame là-bas, là. White Tiger, ok. Donc c'est la nouvelle White Tiger, hein. Vous voyez que le Wong Mystique, il fait très mal. T'arrives tellement tard, toi. C'est là que ça va faire mal, malheureusement. Mais au milieu, il met pas de points. L'adversaire a utilisé le snap. Donc là, vous allez pouvoir voir le buff de Elsa sur Mysterio. Peut mieux faire comme sortie, mais... J'hésite à être un peu plus greedy. Est-ce qu'on peut? Donc Iron Heart, joli. Il avait pas Odin. J'aurais dû aller plus fort à droite, je suis bête. Qu'est-ce que il y a rien à ajouter. C'est correct. Vous voyez le buff de White Tiger. Donc j'en ai parlé hier en vidéo, donc c'est cool parce qu'il va me permettre d'en parler un petit peu. White Tiger donc qui est passé à 8 de puissance flat sur son invocation, sur le Tiger Spirit. Et en fait ça c'est un play classique qu'on va retrouver ici avec Wong Mystique. On va avoir White Tiger, Iron Heart, et bien sûr on peut jouer Odin aussi dessus. Là il est allé sur le all-in, hein, parce que Iron Heart sur Wong et Mystique ça fait très mal, et Odin c'est limite un des plays les plus forts sur ces quatre, enfin, avec ces quatre cartes, c'est Wong, Mystique, Iron Heart, Odin, c'est énorme, de chez énorme. Mais là, le fait d'avoir un tel buff sur le Tiger Spirit, on voit que quand même il a réussi à me poser 27, 15 et 22. Donc quand je vous disais qu'il y a du power creep maintenant dans le jeu et que ça commence à prendre un peu en force, c'est qu'on monte, on monte. Et là, l'erreur qu'il a faite, c'est de me donner Mystique qui était avec Wong. Ça m'a permis de faire un double Hitmonkey, donc qui est passé à 18 points, ce Hitmonkey. Vous voyez ici le Mysterio à 4, parce qu'il a 4 de base, et ensuite il prend le buff d'Elsa Bloodstone, la fameuse carte du Season Pass.
qui m'a permis de poser des cartes gratuites qui font vachement de points. Il m'a donné une Ravonna qui est passée à 6 et une Kitty Pryde ici, moi, qui avait pris un petit peu de bonus avec Forge en revenant dans ma main, puis celui d'Elsa, donc elle est déjà à 7. Ça nous permet de sortir 29, 14 et 23, ce qui est énorme. Je trouve que là, dans le deck bounce, c'est assez lourd. Les modifications qu'ils ont apportées, ça marche bien avec Forge, vu qu'il est pas cher. Il est facile pour trigger Hitmonkey et faire de la montée de points. What else, quoi. Le Power Creep, c'est pas Crypt, c'est Creep, C-R-E-E-P. Le Power Creep, en fait, c'est le fait d'avoir sur des jeux, on va dire, live, vivant, MMO, et dans lesquels on va avoir, en fait, une montée en puissance à chaque nouvelle saison, à chaque nouvelle release. Si, par exemple, on est dans un jeu de baston et qu'il sort un nouveau perso avec un ulti tout à fait pété, bah tu joueras plus les vieux persos, mais que celui qui a l'ulti tout pété, parce qu'il est au-dessus des autres. C'est ça ce qu'on appelle le Power Creep. Et ici, en fait, au fur et à mesure des OTA et des nouvelles cartes qui sont introduites, comme Elsa Bloodstone, avant, sur une game, quand j'ai commencé à jouer à Marvel Snap, si tu sortais 29 sur une ligne, t'étais quasiment sûr de gagner. 29, t'étais sûr de gagner. Là, tu vois, le gars avait 27 en face, il y avait un petit doute. Là, on a fait 22-23. Il y avait un petit doute. Ici, on a fait 15-14. Petit doute. La game était serrée, il a bien joué. Et du coup, une game comme ça, avant je sortais 29-14-23, je savais que je sortais gagnant de la game. Et quand tu jouais au tout début, tu commences le jeu, tu poses Hulk, t'as plus ou moins gagné. Et au fur et à mesure que tu débloques des cartes, tu vois que ça monte. Et là, au fur et à mesure qu'on ait de nouvelles cartes qui sortent, ça monte encore davantage. Parce que on enlève Kitty Pryde de l'équation, Elsa et Hitmonkey, avec exactement le même deck, je vais pas aussi haut en points. Hein. Mon Bishop, je joue pas pareil. Il y aurait limite que le Bishop qui prendrait des points et les autres, ils regarderaient, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, je prends vachement plaisir à jouer le deck Bounce. Je suis ravi de pouvoir ressortir Hitmonkey et Beast. C'est un deck qui avait reçu quelques nerfs successifs. Récemment, il y en avait eu plusieurs. Beast avait déjà pris un coup sur la tête. Là, ils ont enchaîné avec Hitmonkey, puis Kitty Pryde. Et avec l'arrivée ce mois-ci d'Elsa Bloodstone, là, le léger rework de Forge, c'est très sympa. Rendre ce Forge gratuit et aller rechercher des buffs de nouveau, c'est très chouette. Là encore une fois, si vous n'avez pas tous les combos du deck, essayez d'aller chercher des cartes un petit peu cousines pour pouvoir adapter le play. Si par exemple vous n'avez pas Jeff, glissez Nightcrawler. Il vous permettra d'activer Angela, d'aller chercher des zones peu accessibles. Si vous mettez Beast dessus, il revient à 0 et ça vous permet de jouer confortablement la carte au tour 6. Donc il y a pas mal de petites choses intéressantes, par exemple avec Nightcrawler. Vous pouvez rajouter Falcon, comme je le disais, pour aller chercher davantage le bonus de Forge. Si vous le souhaitez, vu qu'on joue ici un deck Serra, vous pouvez simplement aller rajouter un Shang-Chi et une Enchantresse. Ça vous permettra d'avoir du contrôle sur le play continu de votre adversaire, ou de détruire des cartes un peu gênantes avec Shang-Chi. Le fait d'avoir Serra, ça vous permet justement ce petit combo sympa au dernier tour. J'aime beaucoup ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire vos petites propositions dans les commentaires. Si jamais vous avez des petits plays à ajuster dans le deck, dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ce deck Bounce. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour ma part avec Aliot dans un Cerebro 3. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros poutous, je vous dis à la prochaine et d'ici là, soyez sages.